C'est le septième épisode, je suis redevenu Link normal et auparavant j'avais réussi à activer les quatre torches et à ouvrir la fameuse porte au sous-sol. Donc normalement je pense avoir résolu l'essentiel des problèmes de ce donjon. Qui est quand même, je trouve, assez bien conçu. Après, ouais, il faut que je laisse les bleus. Alors, donc je vais par là. Non. Comme ça. Et ensuite, la porte, elle est ouverte. Ah! Quoi? Et je fais comment après? Mais j'ai pas le marteau, moi! Bon alors il reste qu'une seule explication possible, il faut que j'aille chercher l'autre coffre avant. Celui dont je venais de déterminer qu'on pouvait pas l'avoir. Oui en fait, maintenant que j'y pense, peut-être qu'en insistant un peu on peut l'avoir quand même. Et... Et comme ce coffre doit contenir le marteau, je serais pas bloqué. Parce que je craignais de me retrouver bloqué même si j'arrivais à l'obtenir. Alors. Oui, non. Si, c'est bon. Faut que je refasse tout le tour. Donc non, c'est pas bon. Aïe. Ensuite, là, il y a la petite astuce. Raté. 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 Mais comment j'avais fait, c'est pas possible. Ah, on peut faire comme ça aussi. Ah, c'est plus malin. Là, je sais pas ce qu'il faut faire, on va dire ça. Eh ben non. Je me souvenais plus. Ah, mais on peut pas. Pourquoi je suis pas passé à travers? Rubis. Donc, comment peut-on faire? C'est pas possible. Alors si je me mets à cheval comme ça entre les deux cases, ça a l'air de passer quand même. Donc je peux faire d'ici. Je gagne un tout petit peu de temps. Ah! Yes! Haha! J'ai trouvé le marteau! Cool.
Donc ça, c'est réussi. Alors maintenant que j'ai le marteau, ce qui est génial, c'est que je peux circuler très facilement dans tout le donjon. Plus besoin de faire tous ces allers-retours. Et donc je peux aller chercher le deuxième coffre qui me manquait et qui est juste là. Pas besoin de faire tout le tour. Clé du boss, bien entendu. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux aller voir le boss maintenant. C'est par là? Oui, c'est par là. Salut toi. Je suppose qu'il faut utiliser le marteau. Comme dans Link to the Past. Eh ouais. Aïe. Sauf que là, je vais plus pouvoir utiliser le marteau, ni même la torche. C'est génial. Voilà, je suis redevenu Link normal et en plus j'ai récupéré tous mes cœurs. Du coup, je vais peut-être sauvegarder. Je pense que ça pourrait servir. Alors. Aïe, je tombe. Peut-être qu'il faut continuer avec le marteau, en fait. Ah oui, ça marche bien le marteau, ça c'est cool. Alors, je vais prendre une potion rouge. Voilà. Ouf! Un Graal! Eh ben ce donjon, il m'a posé des problèmes, hein. Ok, donc c'est bien, j'en ai trois. Temple d'Ordine. Pas facile. Assez diabolique. Avec les planchers interrupteurs partout. Assez ingénieux en fait. Ça change beaucoup des donjons de du premier de Zelda Return of the Hylian, qui sont parfois difficiles, mais plus pour les combats ou les plateformes. Ah tiens, j'ai pas eu ça. Ah bah non, c'est parce qu'il fallait le marteau. Donc je disais les donjons de Zelda Return of the Hylian. Il n'y a pas vraiment d'énigmes comme ça ou de grands labyrinthes compliqués, de casse-tête.
Enfin, de casse-tête, je veux dire par là. Que on sait pas comment aller d'un endroit à un autre facilement. C'est plus des donjons où la difficulté c'est de d'aller d'un point à un autre sans se faire tuer, sans tomber dans les trous et ainsi de suite. D'accord, alors je vais essayer de revisiter un petit peu tout maintenant que j'ai le marteau. Même si je pense que la plupart des endroits, c'est genre comme ça, c'est ça donne juste un petit raccourci, mais ça sert pas à grand chose d'avoir le marteau. Enfin, ça change pas grand chose. Pour aller là-dessus, il faudrait que j'aie la baguette de feu et le grappin. Bon, et donc là, je suis revenu à l'entrée des montagnes, il me semble. Ok. Bon. Par là, on peut rien faire pour l'instant. Ah non, je me souvenais d'un endroit, mais finalement, non, c'est pas le marteau qu'il me faut, c'est le grappin. Ah, ok, y a rien ici. Donc là c'est retour au village. Et puis par là. Ah oui d'accord, donc je pense que ça va être là la suite du jeu. Le marais de la sorcière. Mais avant d'y aller, je vais faire un petit tour au village. Enfin, du coup, pas vraiment au village puisque je suis au Nidhing, je peux pas. Vraiment pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire avec le marteau dans la partie sud-est. Ça me permettait juste de circuler plus vite dans certains endroits. Ah oui, mais je peux pas revenir, c'est malin. J'ai changé d'avis un peu tard. Je voulais aussi aller au village pour peut-être me racheter une potion. Mais bon, c'est pas le moment. Ah oui, Roru, c'est le nom de la grande ville. Ah, et puis y a ça aussi. Récupérer quelques rubis.
Ah, pas mal. Il m'a ajouté. Bon, on repassera plus tard pour les rubis. Donc voilà, on peut par exemple franchir ça, mais ça sert à rien puisqu'on est déjà allé de l'autre côté. Et pareil ici. Donc c'est bien cool d'avoir le marteau, mais ça sert pas à grand chose. Et là, je crois qu'il n'y avait pas du tout de plot pour le marteau. Ça me dit rien. De toute façon, comme je suis redevenu Link, je vais aller à la maison des monstres et au village d'Auroru. J'ai vraiment plein de sous. Je sais pas tellement, pas vraiment quoi en faire. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus rapide d'aller au village? Ben non. Donc, je voulais. Toi, c'était le flacon, mais c'est déjà fait. Il y avait la boutique de potions et le jeu des coffres. C'est où la boutique? Potion rouge, voilà, c'est ça que je veux. Ouais. Merci. Et le jeu des coffres débiles. Qu'est-ce qu'il raconte lui déjà? Ouais, l'instrument magique. Ça, c'est la taverne, c'est pas le jeu des coffres. Ça, j'y suis allé il y a 30 secondes. Ça, c'est cette boutique qui sert à rien. Ça, je viens d'y aller aussi. Ça, c'est l'autre boutique qui sert à rien, je crois. Là, j'y suis allé. Là, j'y suis allé. Mais il n'y avait pas un jeu des coffres, c'était pas dans ce village? C'est peut-être dans l'autre. Ah oui, il y avait ça aussi. Et ce palais que j'avais laissé en plan. Je me souviens plus bien. Si j'avais besoin du marteau ou quoi. Il me semble que le marteau pouvait m'aider peut-être. Déjà, on peut pas tuer les fantômes avec le marteau, mais bon. Ah d'accord. Donc non, il y a pas de... le marteau, il sert vraiment à rien dans ce donjon.
Il faut vraiment pouvoir tuer les fantômes avant de revenir ici. Mes parents se sont perdus. Ah bon? Depuis quand c'est les parents qui se perdent? Ah, tu sais pas où sont les parents du gamin là? Bon, ben non. Je vais reparler aux gens. Ça pourrait servir. J'aime balayer. Étoile. Ok. Pas très bavard. Plus rien en stock. Ça doit vous énerver que j'aille 10 fois dans les mêmes maisons, non? C'est toutes les mêmes, je me retrouve pas du tout dans ce village. Bon, bah j'ai pas d'informations sur les parents là. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de retourner dans l'autre village. Surtout que maintenant je peux passer plus rapidement. Donc là, il me faut le grappin. Ah, il faut pas que je lui parle à lui. Fait, maintenant que j'y pense, le jeu des coffres, ça devait être dans ce village, mais je crois me souvenir que j'avais gagné quand même, non? Ça, c'est le chef. Toujours aussi accueillant. Le flacon, je l'ai. En fait, y a plus grand-chose à faire ici. Mes bombes vont très bien, merci. Ah, c'était ça le jeu des coffres. Ok, donc ouais, j'ai rêvé, je croyais que j'avais pas gagné, mais. Ça doit être parce que je regarde mes. Je fais le montage et je regarde mes vidéos de Zelda Return of the Hylian en même temps. Et donc dans l'autre jeu, la vidéo que j'ai vue hier, eh ben. Je fais le même jeu des coffres, sauf que j'ai pas beaucoup d'argent et. Et je perds. Et donc j'avais dit, il faudra revenir plus tard. Donc voilà, je mélange tout. Allez, on va aller voir par là. Dans le prochain épisode, nous visiterons le marais de la sorcière, chers amis. Voilà, merci à tous, à bientôt, ciao!